Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre, tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. Septembre 1982. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. J'espère que ça marchera après tout ça.
foutu! Octobre 1990. Au fil des années, d'autres naufragés sont arrivés. Mais je les ai évités. Et quand par malheur ils ont croisé mon chemin, je les ai éliminés. Thank you.
17 septembre 1982. Un plan commence à prendre forme dans mon esprit. Pour contrôler le pouvoir de cette île, je dois d'abord comprendre son histoire. J'ai besoin de temps. Ils n'ont pas utilisé la tour pour appeler à l'aide. Ok, c'est parti. Ah!
Lara. Je suis devant le panneau. Ok. La tour devrait renforcer le signal de l'émetteur. Ok. Ensuite, trouve le canal d'urgence. Et essaie d'avoir un signal clair sur ta radio avant de diffuser le SOS. Hey. Tu sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Merci. Mayday, Mayday! Ici Lara Croft, de l'Endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence, répondez! Répondez... Allez! Mayday, Mayday! Ici Lara Croft, de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. On commençait à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Ah, Lara Croft, t'es incroyable. Hey, Reyes a même esquissé un sourire. Voilà un bon moyen de descendre. Des cuves d'essence. Ça devrait marcher.
pilote. Je dois la retrouver. Tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. C'est pas rationnel. Tu sais que ce n'est pas rationnel, Lara. Il y a forcément une explication. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. Lara, qu'est-ce qui s'est passé? Cette tempête, elle est sortie de nulle part. Ces nuages, ils ont comme... encercler l'avion. Écoute, Lara, j'ai vu le crash de là où je suis, donc tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. J'arrive. J'attaque par le flanc.
Il doit y avoir un moyen de monter. Ça semble un bon endroit pour s'accrocher. Thank you.
contente de te voir. Je peux en dire autant. Tout se passait très bien, et puis il y a eu cette tempête. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Hé, on trouvera un moyen. Mayday, mayday. Ici le copilote Jessop de l'avion November 177 Alpha. Allô? Allô? Vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un? Capitaine Jessop, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Son signal est par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross.